Bienvenue dans l'antre du paranormal. Alors nous sommes dans un lieu assez spécial que Brice a déjà visité. Voilà. Et il y a déjà eu de sacrés phénomènes suite à une séance de Ouija. Pour ne pas dire oui. Donc voilà, de Ouija. Donc c'est une maison qui où en fait une dame est morte, brûlée vive. Dans la maison. Voilà, et la porte, donc les pompiers ont dû enfoncer la porte parce qu'apparemment elle se serait enfermée à clé dans sa chambre lorsque la maison était en feu. La maison est encore intacte, mais la seule pièce qui a brûlé entièrement, c'est la chambre où était la vieille dame dedans. Voilà. Donc je vous invite, comme d'habitude, à partager, à vous abonner sur la chaîne 7 Spiro et à venir aussi nous rejoindre donc sur notre site Facebook. L'antre du paranormal. D'ailleurs, on a pas mal d'abonnés, on vous remercie. Voilà, beaucoup partagent notre travail, beaucoup nous suivent. Et donc, on vous remercie vraiment pour ça. Un grand merci à vous tous. C'est vraiment très important pour nous de voir que vous vous intéressez à notre travail, car on ne fait pas ça en vain. Comme vous le savez, c'est des déplacements, c'est des heures de travail, etc. On va pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite. Une bonne soirée, je vous dis à tout à l'heure pour l'épisode 3 de l'antre du paranormal. Donc Brice, on est en début de soirée, il fait encore pas très nuit. Oui. Il doit être pas loin de 8h30 je pense. On vient de faire un petit tour vite fait. Bon, on n'a pas tout encore visité. Quel est ton ressenti? Franchement, je ne me sens pas bien, mais personne. On a déjà entendu un bruit à l'étage. En fait, là, on est au sous-sol, le premier étage, donc ce qu'ils appellent le rez-de-chaussée, puis un premier étage. Au-dessus. Donc, moi, je te propose d'aller voir, pendant qu'il fait jour. De monter au. De monter, puis on viendra faire notre enquête cette nuit. T'es parti? Oui. Allez, nous arrivons dans le lieu de cette maison qui où il y a cette fameuse dame qui s'est immolée dans sa chambre. D'ailleurs, on ne connaît pas l'histoire. On sait que simplement qu'elle était âgée. Elle avait une 80, je ne sais pas, 80, 81, 82 peut-être. Elle s'appelait Paulette. Et donc voilà, nous arrivons dans cette bâtisse. C'était une très belle maison à l'époque, je pense, parce que c'est quand même quelque chose de sympa. Mais vous verrez que actuellement, ce n'est plus le cas. Et donc voilà, nous allons pénétrer dedans avec Brice, qui est avec moi d'ailleurs. Je vais vous le filmer. Et nous y allons. Voilà. Seigneur, bénis-nous et pardonne-nous de cette entrée. Permets-nous, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir mener à bien cette enquête. Bonjour. Bonjour. Donc, comme vous pouvez voir, c'était une très jolie maison, hein, une belle cheminée. Bon, ben voilà quoi, le canapé un peu. Malheureusement, voilà. Il y a eu certainement des gens qui sont venus faire des dégâts. Comme vous pouvez le constater par vous-même, hein. Il y avait de nombreuses coupes, donc je ne sais pas si on peut voir un peu s'il y a des marques dessus, au niveau de l'histoire. Là, il y avait carrément des médailles. Donc, je vais vous montrer, si je peux, pardon, celle-là. Donc, il est écrit « Société canine de Bourgogne ». Donc voilà, vous voyez que c'était des gens... lambda, hein, de famille simple, qui avait une superbe maison, une belle situation, qui faisait des concours canins, qui adorait les animaux. Et voilà, donc nous entamons l'enquête. L'investigation. Voilà, toujours avec mon ami Brice. Et voilà la fameuse chambre où la dame paie à son âme. Hein. À cette dame qui s'appelait Paulette, c'est donner la mort. Enfin, d'après ce qu'on en sait,
C'est ce qui s'est passé. On a même l'odeur, si vous voulez. Ce qui est vraiment glauque. Parce que ouais, même l'armoire est cas. Oh. Excusez-moi, je me suis tué 2 minutes. Parce que je. Je sais pas ce que je viens de voir. Alors on entend des. Je sais pas si c'est une bestiole. Si je crois que c'est une bestiole, excusez-moi. Alors excusez-nous d'investir votre lieu, madame. Nous sommes. C'est quoi ça? J'entends des bruits de pas d'étage, moi. Ouais, c'est ça en haut. Nous sommes des enquêteurs paranormaux. Nous faisons une enquête, et cela s'appelle l'antre du paranormal. Et on se permet, hein, je sais que malgré vous, ça ne doit peut-être pas vous plaire, mais on n'est pas là encore une fois pour vous embêter ni vous agresser. On est simplement là pour savoir les causes de votre décès, si toutefois vous errez toujours dans cet endroit. Donc je me permets de rentrer chez vous. Et si possible, pouvoir. Enfin, j'aimerais comprendre, avoir un contact. Hein, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Voilà, je tiens à vous le préciser. Donc, ne nous agressez pas, ne nous. Enfin, voilà. Nous ne sommes pas là pour piller votre maison ou quoi que ce soit. Hein? Donc, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Vous savez, vous pouvez vous aider des piles de nos lampes, ainsi que des batteries de notre caméra. Ah, ça c'est un angle. Ouais, je t'ai dit, il y a des bruits de pas d'étage. Mais alors, à savoir par contre, parce que bon, on est venu cet après-midi, et j'ai pu percevoir des chats, dont même un chat mort que vous verrez certainement dans l'une des vidéos que j'ai fait. Donc, on va rester quand même. Rationnel. Mais là, quand même, le chat devait être lourd. Donc voilà, on rentre dans la partie cuisine. On rentre dans la partie cuisine. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est quand même une tablée. C'est pas une petite table, hein. C'est une table où on met. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 personnes, 16 personnes. Hein. C'était une très belle cuisine, c'était vraiment. Quoi? On devra monter. Donc j'étais en train de dire que c'était vraiment une vieille cuisine, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'était. Voilà, c'était quand même très bien équipé pour. Hein, c'est pas si vieux que ça, ça date de 2013. Et donc, je suis désolé de voir ça, tout est à l'éclat. Vraiment, les gens, voilà quoi, ils viennent, ils fouillent, ils saccagent. Moi, ça m'écœure. Enfin, ce ne sera jamais assez de le dire dans nos urdais, enfin, dans nos enquêtes, parce que nous, on n'est pas là pour saccager, mais on est vraiment là pour rentrer en contact avec, si possible, une entité. Et voilà, quoi. On n'est vraiment encore une fois pas là pour autre chose. Donc, vous voyez, le godet, quoi, le toilette. Là, il y a. Qu'est-ce que c'est donc? C'est une pièce. Voilà. Et je pense que ça, oui, ça descend, Brice. Hein. Ouais. Par contre, il y a un problème. Ah! Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Pouvez-vous vous manifester? Paulette, êtes-vous? Est-ce-vous, Paulette, qui êtes parmi nous? Oui, vous faire un bruit, s'il vous plaît. Êtes-vous qui avez fait ce bruit? Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît?
crois que c'est prévu pour chat. Pour chat. Parce qu'il y a des chevaux en bas. Oui, oui. Donc, comme on vous l'avait dit en début de tournage, on est venu un peu plus tôt. Actuellement, on a vu des chats. Et donc, voilà. Espérons qu'ils nous attaquent pas quand même. Oui. Ça marche. Donc, on descend les escaliers de la maison. Voilà. Qui nous amène dans le bas de l'étage. Donc, c'était certainement des appartements. Les étendages, les choses pas très. Pardon, excusez-moi, là c'est moi. Il y a tellement de bordel qu'on ne sait pas où on met les pieds. Donc, vous voyez. Là c'est la sortie. Ça ramène derrière, dans une sortie. Donc, on va essayer de. Voilà. Alors, comme vous avez dit, hein, je peux l'âme de cette petite bestiole. Regardez ça. Oui, voilà. Le fameux chat. Le chat. Donc c'est quand même. Enfin, vous voyez que. Voilà quoi. Elle accède de l'autre côté en fait. Mais bon, c'est pareil qu'elle. Et là, on ne peut pas rentrer. Non. Comme vous pouvez voir, on aimerait bien pouvoir accéder à ça, mais malheureusement. Enfin voilà quoi, c'est blindé de verres en tout genre, de boîtes de cacao, de chats crevés. On a le cacao, on a le cacao aussi. Petite. Notre Brice a voulu faire une blague. C'était assez sympa. Bon, écoutez, on va regarder un petit peu, on va essayer de rentrer en séance avec cette dame. Vous voyez, hein, c'est une dame apparemment qui s'occupait pas mal. On voit encore des bocaux avec des. Qu'est-ce que c'est que dedans? Je ne sais pas. C'est quoi? Des escargots, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, là, il y a des cerises. Dommage qu'il y ait un peu de bouteille un peu tout en travers, parce que j'aimerais bien sentir l'odeur des cerises. Par contre, il y a des gros dames jeunes là-bas aussi. Comme vous pouvez le constater, donc elle devait certainement aussi faire de la gnôle. Et oui, on est dans le Jura, il ne faut pas l'oublier. Ah, ça, oui. Chez nous, ça ne rigole pas. Qu'est-ce qu'on fait, vous? On va repasser à l'étage, gentiment. Voilà. Je pense qu'au niveau du bas, parce que c'est assez périlleux quand même, les escaliers sont assez rudes. Ah, oui, ça. Vous pouvez le constater. Et donc. Paulette, est-ce que vous êtes là? Alors, donc nous allons voir un petit peu les endroits. Moi, je ne veux pas aller là. Et pourquoi? Ah, il y a une vieille. Mais. Là, logiquement, ici, Oh, un vrai vieux calendrier. Hyper sympathique. Là, des comme ça, vous en verrez pas beaucoup. J'ai un petit bruit. Et à savoir, encore une fois, on va pas s'alarmer tout de suite. Parce que. Il y arrive que, voilà, on a des bestioles ici. Et. Chaud pour monter, mais je pense que vous me connaissez et que je suis quelqu'un toujours à la recherche de plus. Donc, pour vous, je peux voir à l'étage ce qui se passe en sachant que c'est bourré de merde, de crottes de tout genre. Et là, vous pouvez voir, voilà ce que je tenais à vous montrer l'étage quand même avant que certains disent. Je ne sais quoi, car on connaît très bien Internet, hein. On sait très bien ce qui s'y passe. C'est souvent des. Oui, c'est des fakes.
Donc voilà, vous pouvez constater par vous-même, nous sommes au plus... Voilà. Donc à part des crottes de chat, c'est pour ça que je n'irai pas spécialement plus loin marcher, parce que ben, c'est bourré de crottes de chat. C'est... voilà. Êtes-vous parmi nous, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Paulette, êtes-vous avec nous? On ne vous veut pas de mal. Alors, encore une fois, j'ai vraiment plein de merde. C'est affreux. L'odeur est nauséabonde. Vous expliquer l'odeur, mais c'est affreux. Je fais un drôle de truc à la caméra. Je fais un drôle de truc à la caméra. Oui. Ça fait des vagues. Il y a la bougie qui s'est allumée, ça fait des espèces de vagues sur l'écran. Ah ouais? Ouais, pourtant j'étais fixe, regarde. Je bouge quasiment pas. Alors Brice a des trucs au niveau de caméra et puis... Oh! Putain. Ouais, ça. Hein? Y'a quelqu'un ici? La lampe. Hein? La lampe s'éteint. Bonjour. La lampe. Ah, donc je crois qu'on... Y a-t-il quelqu'un ici? Vous pouvez utiliser ma batterie, hein? N'hésitez pas. N'hésitez pas d'utiliser ma pile. D'ailleurs, je crois que je vais prendre autre brise, s'il te plaît. Tu peux mettre... Oh, putain, mais... Oh, oh. Ouais, il y a quelque chose là. Ne me faites pas de mal. Paulette, est-ce que c'est vous? Enchanté, Paulette. Je m'appelle Seth. Seth Spiro. Et moi, donc c'est Brice. Et Brice. Et donc, j'ai une chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que vous devez connaître. Car vous n'êtes pas des fans quand même depuis... Je sais que c'est pas trop votre époque, mais donc voilà, nous sommes venus ici, on s'est permis de rentrer chez vous pour connaître en fait la cause réelle de votre mort, car on en apprend un petit peu de toutes sortes, mais... Laisse-moi avec l'autre. Regarde. Viens voir dans la caméra. Il y a quelqu'un derrière. Putain, tu vois derrière? Alors, je sais pas si vous voyez. Est-ce vous qui êtes là? Faites-nous un bruit, s'il vous plaît. Je ne sais pas, je perçois une ombre derrière. Écoutez, encore une fois, on est venu en paix hein, ici. Hein. On n'est pas venu vous agresser, on n'est pas venu piller votre maison. Voilà, on s'est présenté. Nous venons en paix, nous sommes chrétiens. Et peut-être que ça vous fait rien, peut-être que vous n'êtes pas croyante, mais... Oh là là. Vas-y, je veux voir là-bas. Oui, c'est... Putain, j'ai pas mal de... Sors de là. Là-bas. Dans mon dos, Brice. Ah, j'ai quelque chose là. Là, j'ai quelque chose autour de moi là. C'est vous, Paulette? Il faut vous appeler Paulette, je pense. C'est comme ça que vous vous appelez? C'est comme ça que vous appelez Pelier, hein? Oh, putain, c'est chaud. Je viens de voir un truc voler vers toi. C'est chaud, ouais, ouais, j'y sens. Ça joue avec toi, c'est le même truc dans la chambre. Là? Dans la chambre. Ici? Ouais. Voilà. Vous savez, vous pouvez. Alors je sais, c'est peut-être compliqué pour vous. Waouh, j'ai un de ces froids. Oh là là, putain, c'est quoi ça?
J'ai un truc là-bas. C'est normalement sur ta caméra, là. Ça t'indique qu'il y aura deux personnes à l'écran? Parce que là, il y a eu un petit machin vert et puis ça m'a indiqué deux personnes. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Oh, oh, ça c'est beau. Ah, vous êtes avec nous. Écoutez, n'ayez pas peur, hein. Vous savez, vous pouvez vous servir des batteries. Alors, je me répète peut-être, mais je me prénomme Seth. Waouh. Regarde. Je suis trempé. Excusez-moi, j'ai... Voilà. Nous sommes des enquêteurs, donc du paranormal. Je sais que ça peut vous paraître un peu bête, mais nous ne sommes... Voilà, nous sommes ici. Oh. Nous sommes ici pour essayer de comprendre encore une fois ce qui vous est arrivé. Alors nous savons que vous êtes défunt dans cette pièce. On m'aurait dit qu'il y a quelque chose derrière toi. C'est la caméra. Ça m'a fait comme s'il y avait deux personnes. Juste derrière toi. Ah, je sais que... Vous savez que vous pouvez aussi vous parler dans ce micro si vous avez des choses à dire. Car il capte vraiment les sons. Donc peut-être qu'on les entendra pas tout de suite, mais par la suite je comprendrai pourquoi en fait voilà, vous êtes parti, vous êtes défunte et vous avez ou alors vous êtes immolée dans cette pièce quoi, Paulette. Je ne veux pas vous embêter encore une fois. Je ne suis pas là pour vous agresser. Hein? Donc ne m'agressez pas. Hein? Je vous ai dit mon prénom, je me suis présenté. Oh! Oh! T'as un Brice? Mmh. Il y a quelque chose? Ah ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose là. Éteins ta lampe plutôt. Je crois que c'est avec l'UV là. Éteins ta lampe. Regarde. Vous êtes là? Avec le micro. On va rester, on va se poser un endroit. Ouais, mais un endroit. Il y a des tintes un peu plus dehors. Hein. Ouais. On n'allume pas trop dehors. Et tu vois, ce qui est bizarre, c'est que derrière, j'ai allumé ici. Tu vois, j'étais là. Donc, en fait, quand tu y as vu à la caméra, voilà. Donc, tout à l'heure, j'étais derrière cette pièce. Et vous pouvez voir, dans le vous verrez tout à l'heure, il y avait quelqu'un derrière cette porte vitrée. Alors que pourtant, regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien devant. Voilà. Donc c'est pas possible qu'on puisse voir à la limite s'il y avait peut-être un je sais pas quoi. Et regarde. Regarde là, dans le coin. Tu y vois? J'entends du bruit surtout. Dans la pièce d'entrée, vous voyez, la sortie est juste derrière moi. Et donc, la fenêtre, la porte-fenêtre qui est là, comme vous le voyez, c'est la porte-fenêtre qui donne dans la cuisine où j'étais. Et oh! Et où il y a des bruits. Il y a plein de bruits. Oh.
Non, non, mais ça, faut voir la lampe, sinon je sors. Donc Brice va regarder, parce qu'on est carrément à l'entrée là, et on entend des pas. Donc voir si c'est personne, hein. Je vais vous montrer aussi également. Hop, vous voyez qu'il n'y a personne. Vous voyez qu'il n'y a personne. Oh, c'est derrière, j'ai entendu. Êtes-vous là, Paulette? Paulette, êtes-vous là? Nous ne sommes pas encore une fois pas là pour vous agresser, hein? Oh, j'ai une baisse de batterie. Hein? Dehors, c'est dehors. Brice. Hein? T'as dit quoi? Ouh! Putain, il y a des drôles de bruits. Écoutez, on aimerait rentrer vraiment en communication avec vous. Pouvez-vous nous faire un signe, s'il vous plaît? Viens, Brice, c'est bon, le dehors, c'est dehors. Bah ben oui, il y a des gens dehors, c'est normal. Viens. Oh, il y a un truc là. J'ai vu un truc et j'ai fait, c'est filmé. Je sais pas, c'est l'effet de la lampe. Oh, encore une fois, derrière toi. Juste dans le côté droit de... Viens. Paulette? Êtes-vous là? Il nous balance un truc. C'est vous qui avez fait ça, Paulette? Allez, s'il te plaît, allez, allez. Ça, est-ce vous qui avez fait ça? Qui passe devant, c'est des autres. Je pense que c'est des oh. Putain. On aurait dit que ça venait de là, le bruit, non? Ça. Je vais reprendre le chien derrière moi. Il m'a pété la gueule. Un quoi? Un frottement? Il s'est entendu. Un frottement depuis tout à l'heure, il n'entendait pas. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille en bas. On va faire un petit tour dans le champ. Juste avec la lampe UV, parce que forcément, on ne pourra pas fumer avec la. Avec celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, écoute, on va se mettre. Je repasse. Ça va être compliqué de filmer avec la cam qui est ici, puisqu'elle n'a pas de lampe. Et si on est en bas, le problème c'est qu'il y a des voisins même à côté, enfin à quelques maisons à côté, donc on peut se faire facilement repérer et donc embêter, quoi. Sur ma caméra, t'inquiète pas. Putain.
constater. Les volets ici sont fermés. On a tous les volets qui sont fermés. Et tout à l'heure, au niveau de la cuisine, nous avons eu comme une silhouette qui était derrière la porte. Malheureusement, il n'y avait rien derrière la porte et puis... on n'a pas dû dire, par contre, on entend du bruit. On entend plein de bruit dans la maison. Des pas, putain. On va regarder en bas ou pas? Donc nous allons regarder en bas, on redescend. On repassera peut-être tout à l'heure, on verra. Donc on essaie de faire le moins de bruit possible. Nous arrivons dans le... Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça par terre? Putain, des trucs glauques ici. J'ai entendu. Il y a quelque chose là. C'est quoi, putain, c'est quoi ça? Ah, si tu peux revenir, plus. Bon, on peut rentrer dans la maison, mais plus là-bas. Est-ce vous, Paulette? Est-ce vous qui êtes là? Paulette? On ne vous veut pas de mal, hein? Donc ne nous agressez pas. On est juste là pour faire un reportage. On n'est pas là pour vous embêter ni vous agresser. Hein? Hop, excusez-moi. Il y a un peu le bordel quand même au niveau des... On a entendu un sacré bruit venant de par là, là. Derrière, donc... Encore une fois, nous on veut comprendre. On n'est pas là pour faire du fake. Vraiment là pour... Oh, c'est quoi ça? J'ai eu un truc à la cam. C'est vous qui faites du bruit, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Il y a eu un mouvement de lumière qui est passé, je te jure. Putain, tes conneries. Il y a un truc qui est passé, tu vois, juste ici. C'est bon, c'est où la sortie? Je me place. Wow, Brice, vite. Putain, c'était quoi ce truc? Je sais pas.
Oh, attends. C'était quoi ce truc? Il nous a balancé dessus. Non, non, je sais pas, ça a claqué d'un coup. Allume là-bas au fond. Allume au fond là-bas. On peut pas allumer plus profond là. Waouh, je regarde, j'ai des trucs là. Putain. Voilà. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas bien là, sur le coup. T'as entendu le truc, écoute. Ah ouais, putain. Waouh, j'ai un truc qui est passé dans la cam, quoi. Bon, j'ai écouté. J'ai l'impression que l'entité ne veut pas de nous. Non. À mon avis, je pense que ça a été tellement saccagé ici que la personne qui hier ne veut pas. Non, non. Il faut que tu éclaires, Brice. Ne veut pas de nous. Je sais pas ce que c'est que ce machin. On dirait des yeux et je vois rien. C'est ça le pire. Attention. C'est une bagnole. Il vit une voiture. Oh putain. Ouf. Fais gaffe. Oh putain. Oh, c'est bon, je me casse. Oh putain, t'as entendu? Là c'est bon, je m'arrache. Là c'est pas la peine. Là c'est pas la peine, c'est pas un chat. Là c'est pas un chat.